N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Depuis 2013, George Clooney vit une histoire d'amour parfaite avec Amal Clooney, qui célèbre ses 46 ans ce samedi 3 février. Mais comment ces deux tourtereaux se sont-ils rencontrés? L'histoire est aussi fascinante que romantique. George Clooney a partagé les détails de ce coup de foudre lors d'une interview avec David Letterman, diffusée sur Netflix en janvier 2018. L'acteur a qualifié cette rencontre de « histoire folle » et a partagé les circonstances de leur première rencontre. Alors qu'il passait du temps avec ses parents dans sa résidence de l'Aglio, au bord du lac de Côme en Italie, George Clooney a reçu un appel d'un ami. Lors d'une rencontre fortuite, un ami avait demandé à George Clooney s'il pouvait venir chez lui avec une amie. Il m'a dit « J'ai rencontré cette femme qui va venir chez toi et tu vas l'épouser ». C'était le début d'une histoire surprenante. Le jour de la visite, les parents de George Clooney étaient hors de présent et la soirée s'est transformée en une longue conversation. C'est là que George Clooney a obtenu l'adresse e-mail de la femme, car elle devait lui envoyer des photos de ses parents. « Nous avons commencé à échanger des messages », a expliqué l'acteur. À l'époque, il ne se doutait pas encore que cette amitié se transformerait en quelque chose de plus profond. « Je pensais simplement que nous étions amis », a-t-il assuré. Depuis ce jour, les deux amoureux sont restés inséparables. Qu'est-ce qui a précipité leur relation? George Clooney et l'avocate libano-britannique Amal Alamuddin se sont mariés rapidement après leur rencontre, le 27 septembre 2014, à Venise. En juin 2018, lors de la remise de l'AFI Life Achievement Award à l'acteur, Amal a expliqué pourquoi leur histoire avait évolué si rapidement. « J'ai rencontré George à l'âge de 35 ans, alors que je commençais à accepter l'idée de rester célibataire », a-t-elle partagé devant l'audience à la fin de son discours. Ils ont commencé à se retrouver dans son appartement londonien, et très vite, elle a réalisé qu'elle ne voulait plus être avec personne d'autre, peu importe les circonstances. Depuis, la passion entre eux n'a pas diminué. Deux enfants, Ella et Alexander, ont même vu le jour, témoignant de l'amour qui unit ce couple hors du commun.